bien répondre à les trois petites questions. Ce sera retenu contre moi. Retenu contre vous. Parce qu'après ce que je viens de voir, là, alors, les questions, les questionnaires. Vos impressions. Oh là là, quel gif. Voilà. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux, ça peut vraiment s'inscrire dans un contexte évidemment universel. On pense bien sûr aux dictatures d'Amérique latine quand on voit cette pièce. Je ne sais pas s'il s'agissait du Chili ou de l'Argentine, peu importe. Mais c'est un con. Oh, absolument, peu importe. Même nous, en 1944, on a bien connu les mêmes choses, voilà, à la libération. Absolument. D'où l'intérêt de la pièce aussi, c'est son côté constant universel. Et mais alors, j'ajoute bien sûr le côté suspense jusqu'à la fin, la dernière image. Et j'admire autant les comédiens. Cette pièce est sur le viol, mais nous aussi on l'est. On l'est quelque part, on l'est dans la salle, on est absolument happé. Tout ça pour dire que j'ai passé un moment absolument extraordinaire, aussi bien la mise en scène, la mise en espace, vraiment quand on n'a que trois comédiens, un espace quand même relativement réduit, tout ça, les situations, il y a un rythme qu'on ne soupçonne pas quand on lit cette pièce. Je ne l'avais pas lue, mais je puis dire, j'ai quand même comme idée, le décalage qu'il peut y avoir entre une lecture de cette pièce et ce qu'on peut arriver quand on la remet en espace théâtral. C'est proprement extraordinaire comme travail. Il faut qu'on en parle dans les chaumières et qu'on vienne voir au théâtre Pixel, La jeune fille et la mort d'Ariel Dorfman.